Et toujours pour parler de ce sujet, je reçois, comme je l'ai annoncé en titre, Monsieur le vice-président du groupe parlementaire CDP. J'ai donc nommé Monsieur Achille Marie-Joseph Tapsoba. Bonjour, Monsieur le vice-président. Bonjour. Merci d'être venu à cette invitation. Alors, pour commencer, on va vous demander de réagir sur cette, non pas la position de l'opposition qu'on connaît, mais sur les arguments que l'opposition avance, qui va à l'encontre des arguments que vous avancez pour la modification de cette loi. Qu'est-ce que vous pensez de leurs arguments? Je vous remercie. Je dois dire d'abord que un constat est fait, et ce constat est certainement à la base de la révision constitutionnelle que nous venons de faire tout dernièrement. Ce constat est le suivant: si l'Assemblée nationale ne jouit pas de la plénitude du pouvoir législatif, et il est important de constater qu'il y aura un blocage institutionnel, puisque la Constitution issue de la modification du 11 juin 2012 stipule que désormais c'est le Parlement à deux chambres qui doit être donc l'institution législative au Burkina Faso. Et s'il n'y a pas encore la mise en place d'une deuxième chambre, il est évident qu'il faut conférer tout le pouvoir législatif à la chambre qui existe, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Cela va de soi. Il n'y a pas à supputer sur quoi que ce soit. C'est une relation de cause à effet. Deuxièmement, en ce qui concerne la révision constitutionnelle actuelle, elle n'a pas été au-delà de ce qui doit être fait pour légaliser actuellement donc le travail parlementaire, dont sont issus tous les députés. Et si on constate que le Parlement n'a plus de légitimité parce qu'il n'étant plus dans la légalité, on constate donc que tous les députés n'ont plus leur raison d'être, y compris ceux qui refusent la révision constitutionnelle. Par conséquent, cette révision était nécessaire et il fallait le faire pour maintenir l'Assemblée nationale, un. Deuxièmement, lui donner le pouvoir législatif en attendant la mise en place du Sénat. Ce qui veut dire que nous avons ici l'obligation de faire fonctionner les institutions de la République. Au nom d'intérêts quelconques, on ne saurait remettre en cause la République elle-même. Alors, donc, vous dites bien faire fonctionner les institutions, mais c'est un fonctionnement en attendant, comme cela a été dit. Jusqu'à quand on va fonctionner comme ça? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? C'est là l'importance de la disposition transitoire qui a été portée à l'article 78 de la présente Constitution, qui dit que l'Assemblée nationale jouit de la prérogative constitutionnelle légale de légiférer en attendant la mise en place du Sénat. Ce qui veut dire que l'espace de temps n'est plus déterminant. Ça peut être d'ici quelques mois, ça peut être d'ici quelques semaines. Donc, on se donne la latitude maintenant de passer à une phase nécessaire, à savoir les concertations. La mise en place du Sénat, certes, est controversée, et je respecte le point de vue des adversaires, mais la mise en place du Sénat, pour nous, est devenue une conséquence constitutionnelle. Et il faut mettre le Sénat en place, mais il faut des concertations et nous allons continuer. C'est la logique du parti du CDP, à savoir la concertation et la concertation pour résoudre ces questions-là. C'est vrai qu'il faut... Quand vous dites concertation, ce sera avec qui finalement, puisque l'opposition d'ores et déjà a annoncé son niet sur la mise en place du Sénat? Vous savez, je crois à la vertu de la concertation pour faire reculer les positions et faire avancer les positions. Sinon, la concertation n'a pas de sens. Et aujourd'hui, en l'état, il est important pour nous de rentrer dans cette phase. C'est dommage que la confrontation ait dévancé la concertation. Maintenant que la confrontation a eu lieu, il faut passer à la concertation pour éviter de nouvelles confrontations. Je crois que c'est tout à fait notre objectif, aller dans la concertation pour regarder la mise en place donc, de cet organe de l'institution parlementaire pour permettre à l'institution parlementaire de fonctionner conformément à la légalité constitutionnelle. Aujourd'hui, refuser la mise en place du Sénat, c'est refuser justement de respecter la Constitution en l'état depuis juin 2012. Voilà. Puisque la Constitution en l'état dit que le Parlement maintenant est constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ça la Constitution en l'état. Et refuser de respecter la Constitution, c'est refuser justement de respecter les différentes dispositions de la Constitution telles que élaborées. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a déjà un chronogramme pour les concertations dont vous parlez et à quand est-ce qu'on peut estimer la mise en place effective du Sénat? Non, je pense que le chronogramme appartient aux responsables des partis politiques et des groupes politiques et je pense que vous serez informés en son temps. Vous suivrez d'ailleurs ces concertations et si elles ont lieu, et je pense qu'elles auront lieu parce que de part et d'autre, on a quand même la volonté de construire le Burkina Faso et non pas de déficeler tout ce qui est construit dans notre pays. Alors, pour revenir sur cette loi, qu'est-ce que ce vote représente pour votre parti, le CDP? Est-ce que c'est une victoire? Qu'est-ce que ça représente? Non, c'est la victoire de la démocratie.
Pour nous, c'est la victoire de la démocratie. Pas du CDP. Et de la, non, pas du CDP, de la démocratie, puisque nous sommes des démocrates. Et nous avons agi en démocrate. De la même manière que ceux qui ont quitté la salle, qui n'ont pas accepté de voter cette loi. Et quand je dis voter, ça ne veut pas dire voter pour, de voter même contre. J'explique aussi que c'est ça, la démocratie. Et leur comportement, c'est un comportement qui est démocratiquement admis. Je crois que c'est tout à fait normal. Nous sommes dans le jeu démocratique et il faut respecter ce jeu démocratique, sauf si ce jeu démocratique revient à remettre en cause l'essentiel même de notre construction, à savoir la démocratie elle-même. Ça veut dire que vous ne jetez pas la pierre à l'opposition qui joue son rôle d'opposition ? Absolument. L'opposition est dans son rôle de s'opposer et nous sommes dans notre rôle de pouvoir aussi garantir la construction et la poursuite de la construction de la consolidation de la démocratie. Voilà. Je pense que de part et d'autre, nous avons la même volonté. Merci d'être passé sur ce plateau, monsieur le vice-président du groupe parlementaire CDP. Je rappelle monsieur donc Achille Marie-Joseph Tapsoba. Merci une fois de plus d'être venu.